Andrea Bocelli, l'album de l'année. Et sa nouvelle chanson en duo avec Hélène Segarra. Romenza, le triomphe du romantisme. Non. Vos reproches me laissent de l'arbre. Bon, n'oublie pas qu'il faut être raisonnable quand on prend un crédit sur 15 ans. Oui, j'en ai pris pour 15 ans. Je suis supposé rembourser chaque mensualité, oui. Et ben, ce mois-ci, je veux pas payer. Ah, ben alors menacez-moi. Montrez-moi votre pouvoir, monsieur le banquier. Et la souplesse. Ah, ça vous échappe, ça, hein? La souplesse. Chérie, t'es en retard. Au Crédit Lyonnais, vous pouvez décaler plusieurs mensualités sur la plupart des nouveaux crédits. Crédit Lyonnais, votre banque vous doit des comptes. L'incroyable nouvelle se confirme, le monde rapetisse. Après la Tour Eiffel et l'Empire State Building, Big Ben a cessé d'être big. Malgré les démentis d'Ericsson, il semble que tout ait commencé avec le nouvel Ericsson GF788, un téléphone mobile si petit qu'il fait dire « comme le monde est petit ». L'hygiène, c'est important, dans mon métier comme dans ma vie. Exigeante, bien sûr. Sanogyl Bioactif, oui, je connais. C'est un dentifrice réellement en avance sur son temps. Sanogyl invente Sanogyl Bioactif, le premier dentifrice en double doseur avec du fluor, du bicarbonate et des actifs de fruits. Il purifie pour mieux protéger vos dents et vos gencives. J'ai essayé beaucoup de dentifrices. Mais Sanogyl Bioactif est très différent. Un vrai distributeur de pureté. Quand la pâte et le gel se rencontrent, on sent des microbules agir partout dans la bouche. C'est incroyable. Cette sensation de pureté, je ne pourrais plus m'en passer. Nouveau Sanogyl Bioactif, une révolution en hygiène dentaire. Qu'est-ce qui nous empêche d'avoir du matériel plus performant? Le fric, la thune, l'argent quoi. C'est pas ma fête, c'est la fête des mères. Oui, mais c'est pareil, que tu es notre petite maman chérie. Un joli compliment ça, ma chérie. C'est pas une petite maman que j'ai envie d'être, moi, c'est une championne de natation. Écoute Mathilde, t'es intelligente, tu peux comprendre, non? Ce que je comprends, c'est que je peux jamais faire ce qui me fait plaisir. Je peux plus, moi, je m'occupe de tout, de la maison, du linge. Tu veux plus rien faire, c'est ça? Même plus vider la poubelle? Elle déborde, c'est dégoûtant. Mathilde, va vider la poubelle. Il ne faut pas demander à une petite fille d'être une femme. Sinon, la petite fille ne sera jamais une maman. Sur France 2, la garantie d'une bonne soirée cinéma avec le réseau Occasion du Lion.